Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la chambre de bébé. Aujourd'hui, je vous propose un haul bébé composé de mes petites trouvailles sur Vinted et aussi quelques articles que j'ai trouvés en solde en magasin. C'est parti, je vous montre tout. Je vais commencer en premier par vous montrer mes petits achats soldes de chez Sergent Major. J'ai trouvé que cette année, les soldes valaient vraiment le coup. Là, par exemple, il y avait presque que du moins 40 ou du moins 50 dans ce magasin. Donc, c'était super avantageux. Je vais vous montrer ce que moi, j'ai trouvé. Alors, en tout premier, le plus gros article, c'est une petite gigoteuse comme ça, un petit peu plus légère pour l'été. C'est du gaz de coton comme ceci et c'est une gigoteuse adaptée de 0 à 6 mois. Donc pour la naissance, vous pouvez la replier avec des boutons pression, ça c'est top. Il n'y a plus l'étiquette puisque je l'ai lavée, je vais la mettre dans ma valise de maternité. Il y en a une d'entre vous suite à ma vidéo sur mes valises pour le séjour à la maternité, etc., qui m'a conseillé de prendre une deuxième gigoteuse. Donc du coup, je vais la rajouter dans ma valise, celle-ci, puisque c'est vrai que j'avais pas pensé, mais effectivement, si bébé s'aligne gigoteuse la nuit ou un petit accident ou quelque chose, eh bien j'en aurai toujours une deuxième avec moi à la maternité. Vaut mieux prévoir et avoir en plus que de manquer. Donc voici pour cette petite gigoteuse. Et donc celle-ci, elle était à moins 40%. J'ai le ticket avec moi. Je vais pouvoir vous dire les prix. Prix soldé, ça faisait 23,99€. Donc c'est complètement raisonnable pour une gigoteuse Sergent Major. C'est de la qualité en plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris deux petites paires de chaussettes beaucoup trop mignonnes. Les deux étaient à moins 50%. Donc le prix de base coûte 5€. 4,99€ et à moins 50, du coup, ça me faisait chaque petite paire de chaussettes à 2,49€. Donc, il y en a une avec des petites fraises comme ça, c'est vraiment trop trop choupi. Et la deuxième, vous avez voilà des petites fraises aussi. Je les ai vraiment trouvées trop mignonnes, celles-ci. Donc j'ai craqué et puis c'était à moins 50, ça vaut le coup. Et ensuite j'ai pris un petit accessoire, c'est un petit bandeau comme ça avec une petite abeille. Je trouve ça beaucoup trop chou pour les petites filles, les petits bandeaux déjà. Et puis là avec l'abeille, vraiment on a craqué dessus, c'est beaucoup trop joli. Et pareil, ce petit accessoire était à moins 50%. Donc le prix de base, pareil, c'était 5€ et le bandeau nous est revenu du coup à 2,49€. Voilà pour les petits achats de chez Sergent Major. Ensuite, on a fait un petit tour chez Orchestra. Et chez Orchestra, en fait, on s'est rendu compte, surtout chez nous, qu'on avait, on vérifiait un petit peu si on avait assez de body, de pyjama et tout pour le début. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun pyjama en taille 6 mois. Et 6 mois, pour nous, ça va tomber en plein hiver. Après, ça dépend évidemment comment le bébé grandit, etc. Mais on s'est dit, bah mince, on n'a pas de pyjama en taille 6 mois. Bon, vous allez me dire, du coup, on a le temps d'en acheter puisque c'est pas pour tout de suite la taille 6 mois non plus. Mais on s'est dit, autant regarder dans le rayon solde s'il y a des petites choses. Voilà, ça sera déjà ça de prix pour la suite. Et on a trouvé un petit pyjama comme ça. Il est tout rose avec un petit nuage et avec l'ouverture devant. Donc hyper pratique ça encore une fois. Et du coup il est en velours comme ça pour l'hiver. C'est trop bien pour les bébés. Ils sont bien au chaud. Et donc celui-ci de base coûtait 15€. Avec le prix club, il était à 7,49€. Et avec les soldes, vous avez encore 20% sur le prix club. Donc on a dû le payer dans les alentours des 6€. Donc vraiment, c'était plutôt intéressant. 6€ au lieu de 15€. Voilà pour ce qui est des petits soldes en magasin. Et là, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté sur Vinted. Alors tout d'abord, j'ai pris cette petite blouse qui vient de chez Jacadi. Elle était en très bon état. Alors c'est du 12 mois, donc ça sera pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Mais vraiment, j'ai craqué dessus parce qu'elle était vraiment trop trop jolie. Et je l'ai eue à 5€, donc vraiment pas cher pour du Jacadi. Ensuite, je vais vous montrer un gros lot comme ceci.
J'ai eu le tout, il me semble, pour 50 euros, frais de port compris, je crois. C'était aux alentours de ces prix-là, je ne l'ai plus sous les yeux, mais c'était à peu près ça. Et vous allez voir que tout ce qu'il y a dans ce lot, bah, ça vaut le coup finalement, parce qu'on s'en sortirait beaucoup plus cher en boutique. Et vraiment, j'ai craqué sur tous ces petits vêtements et petites chaussures. J'avais déjà commandé chez cette Vinti-là. Même je vous avais montré ça dans un haul, j'avais commandé deux petits gilets Gap, il me semble qu'il y avait des petits leggings avec aussi, j'avais pareil fait une commande avec plusieurs articles et là c'est la deuxième fois que je prends chez cette Vinti parce que la première fois j'avais été très contente, les articles étaient vraiment en excellent état. Je vais commencer par les petites chaussures parce que c'est beaucoup trop mignon. On a cette petite paire de baskets Zara et celles-ci pour le coup n'ont jamais été portées. Ça se voit, hein, elles sont complètement neuves. Du coup au niveau de la taille c'est taille 19 donc ça sera pas pour tout de suite. Mais elles sont hyper jolies, hyper belles. J'aime beaucoup ce style-là avec un petit jean. Super sympa. Ensuite, la deuxième paire de chaussures, vraiment celle-ci, c'est mon petit coup de cœur. Ce sont une paire de petites bottines vernies. Je trouve ça mais magnifique pour les petites filles à mettre avec un petit collant et une petite robe. C'est super beau pour l'hiver comme ça, des petites bottines vernies, mais vraiment, elles sont hyper belles. Elles sont bleu marine avec un intérieur rose et celles-ci viennent de Jacadi en plus. Elles ont été très peu portées, elles sont en super état. Et voilà, le prix des petites bottines comme ça chez Jacadi, c'est pas donné. Donc d'avoir vraiment eu tout ce lot pour 50 euros, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, dans le lot, on a un petit jean de chez Mango Baby. Un petit jean slim tout basique, comme ça. On en a toujours besoin pour mettre avec plein de petits hauts, etc. Celui-ci, c'est du 9-12 mois, donc pareil, ce sera pour l'année prochaine. Quand vous faites des lots sur Vinted, n'hésitez pas à prendre des tailles un peu plus grandes que celles de votre enfant maintenant. C'est pas gênant, au moins ça vous permet d'économiser sur les frais de port en prenant plusieurs articles. Et puis, de toute façon, si vous adorez l'article, vous l'aurez pour votre enfant l'année prochaine, donc ça permet aussi d'anticiper certaines tailles. Donc moi j'en ai profité pour prendre plusieurs articles chez elle, même si ce n'est pas la taille de ma fille actuellement. Je crois que cette Vinti a deux filles, du coup deux petites filles qui ont l'âge de marcher, etc. Donc forcément elle vend en fonction des vêtements de ses filles. J'aime beaucoup le style de vêtements qu'elle leur met et en général c'est en super état ce qu'elle vend. Du coup, c'est pas grave si c'est un peu grand, je sais que ça me servira pour l'année prochaine. Ensuite, dans le lot, il y avait aussi de chez Gap un petit leggings 3 à 6 mois. Donc ça pourra peut-être aller pour cet hiver. Voilà, il est bien chaud comme ça, petit leggings écru. On en a toujours besoin et il était en très bon état. Ensuite, on avait une petite veste en jean de chez Gap également. Alors celle-ci, c'est le plus grand des articles de ce lot. C'est du 18-24 mois, donc ça ne sera vraiment pas pour tout de suite. Mais pareil, j'ai trouvé que cette veste en jean, c'était vraiment un basique. Bah, elle est toute simple, hein. C'est vraiment la veste en jean basique à avoir. Elle est très souple et très douce. Et je trouvais super sympa d'avoir ça pour une petite fille. Donc comme ça, elle aura sa première petite veste en jean de chez Gap. Mais pareil, pas pour tout de suite, pour l'année prochaine. Donc voilà pour ce lot. Maintenant, je vais passer à un autre article que j'ai acheté seul chez une autre Vinti. C'est un petit jean de la marque Billy Blush. Voilà, comme ceci. Il était encore avec étiquette. Le bas est beaucoup trop chou, beaucoup trop mignon. Billy Blush, j'adore la marque. C'est du 9 mois, donc ça sera aussi pour l'année prochaine. Et bah, le jean était complètement neuf et il me semble que je l'ai eu à 5 euros. Donc pareil, ça valait le coup. Je vous retrouve un autre jour rapidement pour vous montrer le complément de ce que j'avais commandé sur Vinted. Et ce n'était pas encore arrivé
lors du tournage de la vidéo. Donc j'ai attendu de recevoir le reste pour vous rajouter ça à la vidéo et que vous puissiez tout avoir au moment venu. J'avais juste un colis que j'attendais encore et que malheureusement la Vinti a mis un peu plus de temps à envoyer car elle avait eu un empêchement. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vous montre rapidement. Ce sont trois petites robes que j'ai commandées de la marque Jacadie en un mois, les trois, parce que je veux pouvoir lui mettre dès la naissance. Donc c'est directement du un mois. On a celle-ci qui est très fleurie comme ça et boutonnée dans tout le dos. Donc c'est une petite robe très légère en un mois, très mignonne. Deuxième petite robe, on a celle-ci. Donc elles sont froissées parce que le colis était un petit peu en boule malheureusement, mais dans tous les cas je vais les laver et je les défroisserai. Donc c'est pas gênant, dans tous les cas ça part à la machine à laver directement. On sait jamais si j'accouche rapidement, au moins tout sera prêt. Celle-ci je l'avais déjà en mode barboteuse dans une autre taille, un peu plus grande, du 3 mois je crois. Donc celle-ci, le 1 mois en petite robe, elle est trop choupie et ça sera pour tout de suite. J'adore celle-ci. Et ensuite il y avait cette petite barboteuse avec des petites clémentines en taille 1 mois toujours de chez Jacadie. Alors je l'ai acheté seule la barboteuse, mais je vois qu'elle m'a mis un petit body en dessous pour aller avec de la marque Kiabi en 1 mois. Donc c'est très gentil, ça c'était en plus. Donc voilà, c'est des petits vêtements mais trop mimi pour l'été je trouve. Et pour s'excuser du retard d'envoi de la commande, elle m'a dit qu'elle me mettait une autre tenue dans le colis. Et donc la petite tenue offerte, c'est celle-ci. C'est une tenue qui vient de chez Kiabi. On a la petite robe en velours en taille 1 mois et le petit body en dessous en taille 0 mois par contre. Donc je suis pas sûre que ça lui aille si c'est déjà un beau bébé à la naissance. Elle ne pourra pas forcément mettre du 0 mois ou alors immédiatement. On verra bien, de toute façon, la robe, oui, c'est du 1 mois, donc je pense que je pourrais mettre au pire des cas un autre petit body en dessous. Et dans tous les cas, c'est hyper sympa de m'avoir mis une petite tenue supplémentaire. J'ai eu ce petit colis pour 30 euros, c'était 10 euros la robe ou la barboteuse. Et de la marque Jacadie, c'est un bon plan puisqu'en réalité ça vaut beaucoup plus cher. Ils sont adorables je trouve, ces petits vêtements pour l'été, j'ai hâte de lui mettre. Et puis c'est des choses que je vais mettre vraiment tout de suite, sauf si vraiment il fait un froid de canard, mais quand même j'espère pas en plein été. Donc voilà, moi je vais laver ces petits vêtements et je vous relaisse avec la suite de la vidéo. Donc au niveau des vêtements, c'est tout pour ce haul. Maintenant, je vais vous montrer deux petits livres que j'ai trouvés sur Vinted également. Je n'ai plus les prix avec moi, mais je pense que ça ne coûtait pas plus que 5 euros les articles. Donc on a d'abord un petit livre, mon livre des odeurs et des couleurs. Je l'ai trouvé très sympa et vous voyez le prix de base, il est à 10,50 €. Donc dans tous les cas c'était une bonne affaire. Et en fait dans ce petit livre vous avez à chaque fois des couleurs et sur la droite à chaque fois un petit fruit qui correspond à la couleur, et quand vous grattez un peu et bien vous sentez l'odeur de la cerise là en l'occurrence, après vous avez l'orange et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa pour les enfants. Et ensuite on a un petit livre en tissu comme ça sensoriel qui fait du bruit. Voilà, sur les animaux, vous avez plusieurs types d'animaux et le derrière du livre fait du bruit, donc ça en général c'est très apprécié par les bébés. Et c'est tout pour ce petit haul aujourd'hui. Comme quoi sur Vinted vous pouvez trouver et des vêtements et des chaussures et des accessoires, mais également des jouets pour vos enfants, pour vos bébés. Pour tous les membres de votre famille, parce que vraiment il y a toutes les tailles, tous les genres, tous les styles sur Vinted. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Je vous mets toujours mon Vinted à moi en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que pareil je mets régulièrement des articles en vente
Vu que j'achète régulièrement, je me sépare aussi régulièrement de certains articles. Et en général, ils sont soit neufs ou en très bon état. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si ça vous intéresse. Likez la vidéo si ça vous a plu, si vous aimez voir des hauls soldes, des hauls vintage, etc. N'oubliez pas de vous abonner puisque je sors des vidéos régulièrement. On se retrouve en tout cas très très vite. Bye bye!